Oui, c'était une très belle annonce. En fait, c'était l'inauguration du nouvel habitat pour les loutes de rivière qu'on a accueilli ici sous nos soins au Zoo Écomuséum. De façon générale, l'habitat reproduit une berge de rivière avec le milieu ouvert, environnant, qu'on garde comme l'image de tout ce qu'on fait ici très, très naturel. C'est des loutes qu'on a accueillies en provenance des États-Unis. C'est des animaux qui étaient dans un groupe de loutes qui étaient considérés comme nuisances ou qui s'en allaient pour la fourrure. Donc ça, on est très content d'avoir eu la chance d'intervenir à ce moment-là puis d'accueillir trois animaux qui ne s'en vont pas au niveau du commerce de la fourrure. Donc c'est leur petite histoire. Ça a été un long voyage pour eux pour se rendre jusqu'ici. Mais déjà, on commence à avoir le petit caractère. C'est des loutres, on s'entend, c'est joueux, c'est presque souriant comme animal. Donc elles ont été assez gênées initialement, mais là, elles commencent de jour en jour à se dégêner, à explorer l'habitat. Mais on invite les gens à participer au choix du nom de ces animaux-là. Puis ça, c'est quelque chose que les gens aiment beaucoup. Puis on ose espérer que les animaux aussi aiment recevoir leur nom. Bien absolument. Le zoo ici est ouvert tous les jours de l'année, sauf le jour de Noël. Donc, hiver, été, printemps, automne. C'est certain que c'est un grand cri qu'on lance à tous de venir souhaiter la bienvenue à nos nouvelles loutres qui sont sous nos soins.